Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Multi Gaming. Et aujourd'hui, dans sur Minecraft Pocket Edition. Dans le titre, c'est mon quatrième tuto. Donc, je vais vous montrer comment faire un stand. Je vais dire moderne et entre pas moderne. Parce qu'en fait, il y a le stand normal et je vais vous montrer le stand moderne. Donc, pour cela, on va commencer par le stand normal. Donc, il vous faut du bois de bouleau, du planche de bouleau, du planche de chêne noir, des escaliers de bouleau, des barrières en bois de bouleau. Il vous faut des coffres, un coffre piégé et un coffre normal. Il vous faut une trappe je vais prendre en bois. Et des pancartes et des blocs de paille et encore des cadres, mais ça, on prendra tout à l'heure. Donc, c'est juste cas où s'il fait nuit je me pose un lilas, voilà. Donc c'est très simple, donc suivez bien mon tuto. Alors déjà vous allez prendre la planche de chêne noir, ça marche aussi sur Android et sur PC, sur Xbox, hein. Donc vous allez faire 6, donc 3, j'ai fait 5, d'accord, donc 2, 4, 6, et vous allez faire 5, donc 1, 2, 3, 4, et 5, voilà. Donc après, vous enlevez toute l'herbe à côté, et vous recouvrez tout de planches de chêne noir. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre, vous n'en avez pas besoin d'ailleurs, je vais prendre des cadres, voilà. Donc vous allez prendre les planches de bouleau et vous allez les mettre comme ça. Après, donc ça, ce sera là où ils vont dire bonjour monsieur, je voudrais acheter, voilà, n'importe quoi. Donc après, vous allez prendre un escalier de bouleau et vous n'allez pas le mettre comme ça, vous allez le mettre à l'envers. Pareil sur tous les côtés. Et vous allez comprendre. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez dire, oh mais c'est pas symétrique, tout ça. En fait, c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de largeur et de longueur. Voilà. Donc après, vous allez casser un des deux côtés, hein. Voilà. Et vous allez deux bois de bouleau. Enfin, un de côté et un. Ça peut aussi marcher de l'autre côté. Voilà. Pour mettre là. Parce que. Ah bah non, ça marchait. Parce qu'en fait, il y a deux façons. Soit vous faites comme ce que j'ai fait. Parce que sur mon serveur, j'ai fait exactement la même chose. Ça n'a pas marché avec les escaliers à l'envers. Donc voilà. Bah non. Et après, vous allez toujours prendre la planche de bouleau. Et vous allez le mettre à tous les trous. Voilà. Et après, normalement, pour l'instant, ça vous donne ça. Voilà. Après, vous allez prendre les barrières en bois de bouleau. Et vous allez faire comme ça. Par contre, là où il y a la trappe, vous allez recouvrir de 2 de plus pour que ça fasse 3 de hauteur. Pour que ça fasse comme ça. Après, vous allez prendre de la laine. Moi, je vais prendre de la laine. Et vous allez recouvrir d'abord de 3. Oui, je sais. Voilà. Vous allez descendre d'un bloc pour arriver
A2. La même chose encore une fois. Et après, vous allez. Il faut que ça marche, faut que ça touche la barrière, sinon votre. Enfin, ce sera incorrect. Enfin, si vous voulez me recopier, ce sera incorrect. Par contre, si vous voulez faire votre façon, faites. Après, dès que ça c'est fait, vous voyez qu'on a une belle petite. C'est pas mal. Alors, après, vu que vous avez fait ça, vous allez prendre. Hop. Le coffre. Pardon. Vous allez prendre le coffre et le coffre piégé. Et vous allez mettre le coffre à gauche ou à droite. Et vous allez mettre le coffre piégé à gauche ou à droite. Voilà. Une fois que c'est fait, quand par exemple vous arriverez comme ça, vous direz « Oh mais c'est quel coffre ?» Donc voilà. après, vous pouvez bien sûr mettre des coffres là. Enfin voilà. Mais moi je le fais pas. Alors, après, vous allez prendre la paille et vous allez mettre deux blocs là. Voilà. Et un petit là, voilà. Et vous allez aussi en mettre. Ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les cadres et vous allez les mettre sur les escaliers. Pour que ça bouche un peu le trou, enfin, comme si c'était un escalier. Sur tous les morceaux d'escalier. Voilà. Après, sur ordi, je peux vous le dire, ce que vous pouvez faire sur ordi, vous pouvez rajouter des lumières ici. Et pour ça faire plus joli. Moi, je suis sur Android, donc encore une fois. Et voilà, ce n'est pas la même chose. Après, vous allez prendre des lianes. Vous allez les mettre partout. Enfin, pour que ça fasse un peu cool. Non, pas ici, pas ici. Attendez, ne faites pas ça. Pour ceux qui regardent mon tuto, ne faites pas ça. C'est des conneries. Vous allez comprendre. C'est là que vous les mettez. Juste ici. Et si vous voulez, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Moi, je les mets à l'intérieur. C'est stylé. Et ça bouge pas tout à l'heure. Voilà pourquoi je voulais pas mettre ici. Après, vous allez recouvrir toute la surface de panneaux. Ou comme ce que j'avais dit avant, ici, vous pouvez rajouter des bannières pour ceux qui ont un PC. Je ferai peut-être un tuto sur PC, la même chose. Mais avec mettre des bannières, tout ça. Et voilà. Donc moi, je rajoute des panneaux. Pour que ça fasse un peu plus stylé. Hop. 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 Ou peut-être, je vais pas faire le moderne parce que... Parce qu'en fait, c'est la même chose. Oups. Oups. Hop. 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 Et hop. Voilà. Pour ça donne un petit peu que... Et comme dernier... Hop. Du blé. Et du... What? Il est ouf. Et du peigne. Et vous allez recouvrir ici et ici... Là, pain, blé, blé, et pain, pain. Ouais. Après, vous pouvez toujours enlever une épée. Une épée en blé. C'est pas facile. Et après, donc, ça vous donne, on peut dire que ça vous donne un truc. Il va faire nuit. Un truc assez stylé. Et après, donc, ce que vous pouvez rajouter, ça c'est des petites, vraiment des petites décos que vous pouvez rajouter. Donc, oh.
Oups, désolé. Donc vous pouvez rajouter des petits trucs comme ça, en fait. Par contre, ça veut pas! Le rage quitte. Non, moi je voudrais bien de l'autre côté, ce serait... Oh fuck. En fait, mon idée, c'était, je vais vous montrer, je vais juste dormir. Donc, en fait, c'était faire des trucs si vous vouliez mettre des villageois. Après, c'est justement à ça que ça met les bannières. Et ça sert les bannières. A priori, vous pouvez mettre que comme ça. À part, est-ce que si je me mets de l'autre côté, voilà, c'est ça que je vais faire. Voilà. Voilà. Donc là, j'enlève la maille. Hein. Enfin, je l'enlève. Contre les gens, donc j'ai fait une petite ellipse. Je me souviens plus du tout de ce que je disais. Non, ça va. Donc vous prenez vraiment. Hop, pour que ça fasse vraiment un peu stylé, vous allez faire aussi ici. Bien sûr, vous pouvez pas faire le sur les coffres. Hein. Mais vraiment, bien sûr, après, comme je dis avant, vous pouvez utiliser des bannières. Mais après avec les trappes, hop, ça peut faire, non, excusez-moi, ça peut faire un peu plus stylé, car vraiment c'est beau truc, c'est ça ce que je veux faire. Bien sûr, après, je vais encore vous montrer un truc que je trouve assez stylé. C'est mettre un peu de neige. D'accord, on sait tous que ça va un peu se fondre. Mais moi, je vais le faire. Bien sûr, là, je peux pas. Hein. Mais je vais faire comme ça. Parce que franchement, c'est vraiment stylé. Même si, ouais, comme ce que je viens de vous dire. Ça va pas tenir. Ça va pas. Voilà, vous avez compris. C'est quand même stylé. Voilà. Ça fait moins nu. Pour ceux qui sont assez d'accord avec moi. Et voilà. Après, je vous donne encore un peu des petites décorations. Ou à la place des trappes, vous pouvez utiliser des vitres ou du verre. À la place des trappes, enfin de la trappe pour ouvrir, vous pouvez mettre un portillon. À la place des panneaux, vous pouvez mettre des bannières, comme je vous l'ai dit avant. Enfin bref, il y a beaucoup d'idées. Ou au pire, vous mettez des têtes de scie ou je sais pas. Mais à mon avis, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que voilà, c'est vraiment cool à mon avis. Le laisser comme ça. Donc écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ça. Donc vous reproduisez exactement la même maison. Enfin, exactement le même truc par exemple. Et après, vous pouvez bien sûr faire ça en moderne. Encore sur Skype, donner, enfin, envoyer et que vous voulez, ben, c'est Multi Gaming 92. Au pire, envoyez-moi des photos, des screenshots, comme ça. Et voilà, donc ça me fait super plaisir. Voilà. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Comme d'habitude, ça me fera super plaisir. Voilà. Alors, bien sûr, il faudrait que vous passiez. Voilà. Et donc, c'était Multigaming. Ciao tout le monde.